Обучението по нейрографика може да бъде на три нива. Donc, l'apprentissage de la neurographie pourrait avoir trois niveaux. Първото ниво се нарича ползвател и то ви дава правото да го ползвате само за себе си. Donc, le premier type, c'est-à-dire le premier niveau, est appelé niveau utilisateur. Et quand vous suivez en fait cette formation, ça vous donne le droit de l'utiliser que pour vous. En dehors de groupe. Тъй като метода е патентован и автора на метода се стреми метода да бъде чисто предаден. Et en fait, cette méthode est brevetée et l'auteur de la méthode tâche à ce que la transmission ne soit pas déviée, que ça soit transmise comme il a transmis. Второто ниво е вече ниво, в което можете вие да работите с този метод във ваши практики. Ensuite, une fois qu'on a passé tous les degrés du niveau 1, utilisateur, il y a un deuxième degré. Quand vous faites cet apprentissage, vous aurez les compétences pour utiliser ça dans vos propres pratiques avec vos clients. И третото ниво е да станете преподаватели. Et le troisième degré, qui prend plus du temps, est le degré qui vous donne le droit de devenir enseignant, comme Meglena, de la neurographie. Първото ниво, в което сте вие в момента, ще имаме възможност да направим курс през март месец. Donc, le premier niveau, qui s'appelle utilisateur, il a plusieurs degrés, et nous avons la première marche, en fait, le premier cours qui aura lieu au mois de mars, hein, qui fait partie de cette démarche. В този курс ще ви науча как вие сами да ползвате метода и какви правила и принципи са много важни да спазвате. Et donc, lors de ce premier cours de premier niveau, utilisateur, je vais vous apprendre comment vous-même, vous pouvez utiliser par vous-même cette méthode et quelles sont vraiment les règles fondamentales et les principes. И ако сте изпълнили всички изисквания, вие ще получите сертификат или това е моята увереност, че сте научили правилно да ползвате метода. Et une fois le stage passé, donc vous aurez des devoirs, des choses à faire, à présenter, à retourner. Et si tout va bien, à la fin de ce première, de cette première marche du premier niveau, vous aurez un certificat. Този курс ще се състои март месец. Ще имаме три срещи в него. Et donc, ce premier cours de la démarche utilisateur, nous aurons au mois de mars trois rencontres en live où Meglena va enseigner et vous allez dessiner. Ще научим четири алгоритъма. Et pendant ces trois rencontres, elle va vous enseigner quatre algorithmes précis. И ще имате четири задания, които ще бъдат придружени и не само с рисунки, а и с описание. Et donc, il y aura l'apprentissage de ces quatre algorithmes et vous-même, vous aurez des devoirs, en fait, des objectifs à accomplir. Donc, il y a quatre tâches comme ça à accomplir et ça ne va pas être seulement dessiné, mais il y aura aussi une partie que vous allez accomplir par écrit et que vous devez présenter à Meglena. А това първо ниво има 9 различни алгоритъма. Тоест, не това, което е през Марта, въобще. Въобще да. Алгоритъма или стъпала, да ги Не, наречем. това първо ниво има 9 различни курса. Да. Alors, le premier niveau qu'on appelle niveau utilisateur est composé de 9 cours différents. Ако имате интерес, ще може във времето да ги направиме, но сега започваме с първия. Si vous êtes intéressé pour aller vraiment jusqu'au bout, avec le temps, on pourra le faire. Mais au mois de mars, vous allez commencer avec le premier cours de premier niveau. Второто ниво, в което вече може да ползвате метода в свои практики. Alors, le deuxième, donc là, c'était niveau utilisateur. Le deuxième niveau où vous pouvez utiliser cette méthode dans vos propres pratiques. Que vous pratiquez déjà. С голяма радост ще го организирам за вас,
septembre месец. Nous allons l'organiser avec beaucoup de joie pour le public français au mois de septembre. Но имаме условия, трябва поне да се събере група от 10 човека. Mais le centre a posé une condition pour lancer ce cours-là, il nous faut un minimum de 10 participants. Тъй като ни трябва повече време да преведем всичките необходими материали, отрано трябва да заявите вашето участие. Et la raison, en fait, il faut annoncer assez tôt le fait de participer au pas, parce qu'il y a une quantité de papiers, de documentation qu'on doit traduire de russe en français. Donc ça prend aussi un peu du temps. Et si on se lance, il faut être sûr qu'il y aura le cours, et pas juste de travailler en vain, on va dire. То е някъде курс, който се провежда някъде за около един месец, може да го изучите. Et ce deuxième degré qu'on appelle le degré spécialiste, c'est un cours qui, en fait, dans les limites d'un mois, vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez apprendre, en fait, le matériel qui est dedans. Там имате много записи, в които може самостоятелно да работите. Et pendant ce cours-là, donc, il y a des rencontres en live, mais il y a aussi beaucoup des enregistrements que vous aurez accès et vous pouvez travailler aussi de façon individuelle avec les enregistrements. Там има две срещи, в които ще се срещнем очи в очи, но след това на тях отново ще има запис. Et nous, lors de ce cours spécialiste, nous avons deux rencontres en live qui vont être aussi enregistrées, donc vous aurez accès aussi à cela. И отново трябва да предадете заданията си с придружени с подробно описание. Et de nouveau, une fois en fait la matière enseignée, il y a des choses à accomplir de façon individuelle. C'est pas un devoir, je sais pas comment on l'appelait, mais à la maison, qui doit être accompagné aussi avec vos réflexions en fait autour de cela, et ça doit être transmis au centre. И ако сте изпълнили всички правила, вие получавате сертификат, че имате право да ползвате метода в ваши практики. Et si vous aurez accompli tout ce qui est nécessaire, vous aurez encore une fois un autre certificat qui vous donne le droit officiel d'utiliser cette méthodologie brevetée dans vos propres pratiques de coaching, de thérapeute ou tout ce que vous voulez. Сертификатът е международен и се издава от Института по психология на творчеството. Ce certificat est international et il est émis par l'Institut de psychologie de la créativité, dont monsieur Piskarov est le directeur. Точно, да. А третото ниво е все още много рано за него да говорим. Et le troisième niveau par lequel on devient enseignant, c'est un peu tôt pour en parler. Hein, parce qu'il faut passer le parcours. То е 9-месечно обучение. Et ça, c'est un parcours qui dure 9 mois. Кажи им все пак за до година, може би, за следващия март. То започва март месец. En général, en fait, juste comme info, ce parcours pour devenir enseignant, ça débute au mois de mars. Pas celui-là, pour nous, si on le fait, ça va être dans un an. Voilà, et s'il y a un groupe enthousiasmé et nombreux, je serai très très heureuse de pouvoir organiser pour vous cela. Et comme ça, vous pouvez devenir des collègues à moi.